Bonjour mes amis, bienvenue sur votre chaîne YouTube Radio Papyrus de votre consultant épique pour les radios la 16.fr, la radio RDC.fr, la radio Agora, la radio Dani et la radio Puissance Max. Pour notre vendredi 22 janvier, notre 4 aura lieu sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer dans la Réunion 1 course 5 sur la distance de 1500 mètres. Alors là, ça va être aussi encore un caté qui va pas être si facile que cela à trouver. On commence à avoir l'habitude cette semaine. Donc là, j'ai fait ma solution. Mes 4 bases qui vraiment ce sont des bases très 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 timides. On va y aller à pattes de velours, vraiment sur des poitilleux. On va peut-être marcher même sur des œufs demain. Alors, à 10 de confiance, 2 sur 5 pour mon pronostic demain. Donc, je vais commencer à mettre des indices de confiance moi aussi. Et donc, y aller tranquillou, mes amis. J'ai fait mes bases et après à vous jongler avec vos chevaux. Alors, c'est parti. Le 5000 Sabor, mon cheval du jour pour ce quartier. Je tente un coup de en tête de ma sélection, pourquoi pas. Le 13, Devana Fushi, pas mal en ce moment, devrait lui aussi venir prendre une bonne place dans ce quartier. Le 4, l'Arnaud, attention à lui pour une place. Le 7, El Caliente, ma quatrième base pour ce quartier, est très à l'aise sur cette piste, attention à lui. Alors mes 4 bases, vraiment des 4 bases très 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 timides. Le 5, le 13, le 4 et le 7. C'est rare quand je dis des bases très, très, très timides. Mais là, franchement, demain, oui. Le 2, Shielding, avec son jockey, c'est plutôt pas mal. Le 1, Viaro. Ce cheval vient à Cannes avec des ambitions. Attention. Le 15, J'aurais dû. Bon coup de folie pour ce quintet. Peut venir prendre une place avec une très, très belle cote entre 4 et 5. Attention. Je termine ma sélection par le 11 intérieur qui sera mon coup de poker pour ce quartier. En cas de non partant, le 9, bien sûr, vous montez la petite ficelle, vous êtes habitués mes amis. Alors mon cheval du jour, très timide, le 5, oui pour une fois, cheval du jour, très timide. Mais de base, 5 et 13, mon coup de cœur, le 7, mon coup de folie, le 15 et mon coup de poker, le 11. Mais 2 sur 4, 5, 13, 4, mes couplets gagnants placés. 5, 13, 4, 7. Je répète ma sélection, mes amis. Le 5, le 13, le 4, le 7, le 2, le 1, le 15 et le 11. Voilà, c'en est terminé pour notre quintet de notre dernier jour de la semaine. Voilà, cette semaine qui n'aura pas si évidente que ça pour les pronostiqueurs épiques, avec des quintets très très durs à trouver. Donc voilà, ça fait partie du jeu. Donc en tout cas, retrouvez-moi tout à fait tout à l'heure en dessous de ma vidéo, bien sûr. Et également, écoutez mon pronostic sur la radio la 16.fr et la radio RDC.fr. Voilà un petit peu donc pour ce pronostic, encore une fois, je me rappelle de ce quartier très difficile à trouver pour notre vendredi 22 janvier. Alors pour notre jeudi 21 janvier, je n'ai que mon cheval du jour qui prend une deuxième place. Et c'est tout. Encore une arrivée de KT pas si évidente que cela à trouver. Je n'en suis qu'à 4 KT, 8 KT et 10 tiercés. Voilà. C'est très petit en ce début d'année 2021, mais l'année ne fait que commencer. Hein. Donc voilà. En tout cas, toutes mes excuses. C'est rare qu'un pronostiqueur dit ça, mais voilà. Je suis comme vous. Je vous donne mon pronostic par passion. Et après, voilà. Ce sont les courses, il faut savoir faire, ça fait partie du jeu. On fait la sélection du chevaux et après, voilà, on n'est plus maître de notre destin, entre guillemets. En tout cas, sachez que il existe d'autres chaînes hippiques que la mienne, hein, donc vous n'êtes pas obligé de venir tout le temps voir la mienne. En tout cas, mes amis, une chose importante, c'est de garder la santé. Les courses, ce n'est que aléatoire, bien sûr. Le Covid est toujours là, donc sur ce, je vous dis à demain pour de nouvelles aventures avec le Squall, l'Orsois, le Pharaon, des courses.